ça fait un mois et demi que je n'ai pas fait de vidéo. Je crois que c'est la numéro 26. Il y a 5 livres. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il m'arrive de rendre des livres à la BU en ce moment, depuis quelques mois, et de ne pas faire une vidéo à chaque fois parce que je suis un peu toujours à la bourre avec 3000 choses différentes à faire et donc du coup, c'est un peu compliqué. Je vais essayer d'aller vite. Dans les livres que je rends, il y a 2 livres de Robert Pinget. Par alchimie, avec le texte d'Architruc, l'hypothèse et nuit. Je l'avais emprunté car le texte de l'hypothèse, je n'arrive pas à me le procurer et j'avais besoin pour le projet Pinget, pour la vidéo numéro 20 du projet Pinget, du texte de l'hypothèse. Donc celui-là, je le rends. L'autre texte de Pinget, c'est Identité suivie d'Abel et Bella. C'est pareil, Identité, c'est un livre que je n'ai pas. Mais bon, ça n'est pas encore pour tout de suite dans le projet Pinget, donc je vais le rendre sans l'avoir lu ou relu. Je ne suis même pas sûr que ce soit une pièce de Pinget que je connaisse en fait. Et 2 livres de Peter Tsendi dans la collection Paradoxe des éditions de Minuit. Alors Peter Tsendi, il est surtout musicologue, c'est un essayiste, sémiologue aussi un petit peu, dont j'avais beaucoup aimé un essai qui s'appelle « À coups de poing », qui est un essai sur la ponctuation, je ne me rappelle plus bien le sous-titre, et « À coups de poing », ça s'écrit avec « T-S » à la fin, non pas avec les points, mais les points de la ponctuation. Et j'ai emprunté, en fait, sur la recommandation de Stéphane Corvez, 2 livres, alors c'est surtout celui-là qui m'a été plus recommandé par Stéphane Corvez, sur la musique réellement, membre fantôme des corps musiciens que j'ai commencé à lire, ben tiens, voilà, le marque-page est à la page 64, c'est très intéressant, mais j'ai pas du tout le temps de consacrer de l'énergie intellectuelle à ça, d'autant que c'est un domaine où je suis très 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 peu connaisseur, je suis très ignorant même sur toutes ces questions de musique, de pratique musicale en fait. Et même si c'est très intéressant en tant, on va dire, qu'amateur de musique ou que dilettante, c'est quand même très ardu, j'ai trouvé. Donc voilà, donc je me le note, je me suis arrêté au chapitre « Ablations et greffes, trop de doigts ». Mais c'est très intéressant quand même. Et peut-être qu'on peut lire la 4e de couverture. « La musique invente, construit, fait des corps, nos corps, mais qu'il nous reste à lire et relire. Ce sont non seulement des corps techniques, mais aussi des corps vivants d'une vie étrange, fantomatique et survivante. Aussi inouïe qu'une main avec plus de 5 doigts, que des pieds qui respirent tels des poumons, qu'un toucher à distance et sans contact. L'organologie, cette respectable discipline qui recense les corps sonores, est ici interrogée et quelque peu malmenée dans son corpus séculaire pour qu'elle livre ce qu'elle recèle et préfère généralement cacher des organes inédits. Des chimères qui guettent l'occasion pour prendre corps. » Voilà. Et il y a un autre livre de Peter Tsendi que je vais rendre, alors celui-là sans l'avoir du tout lu, sur un sujet que je connais nettement mieux, Melville, la lecture, le texte, la réception du texte, lire selon Melville les prophéties du texte Léviathan, qui est un livre sur Moby Dick, mais pas seulement, sur la spectralité, mais pas seulement, sur la lecture, mais pas seulement. Et comme je ne l'ai pas lu, eh bien, je ne peux pas, ou je ne vais pas prétendre en parler plus longtemps, mais je me fais une petite note ici, que ça, c'est un texte que je réemprunterai. Et je termine avec un texte traduit, du serbo-croate par Alain Capon. Je le dis tout de suite pour ne pas oublier de citer le traducteur. Un texte dont l'auteur est Svetislav Basara, je ne sais pas comment ça se prononce, un écrivain serbe, et cette traduction française a été publiée en 2004. Et la raison pour laquelle j'ai emprunté Phénomène, copie d'un manuscrit brûlé de Svetislav Basara, c'est parce que Pierre Barreau me l'avait recommandé. Et Pierre Barreau, je ne vais pas redire de qui il s'agit. Si vous suivez un peu ma chaîne ou si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas pu échapper à Pierre Barreau. Et donc, moi, quand on me recommande un auteur dont j'ai jamais entendu parler, eh bien, je le lis. Je n'ai pas eu le temps de lire toutes les nouvelles, mais je recommanderai en particulier, quoique j'ai trouvé ça un tout petit peu trop dérivatif, de Borges, je ne sais jamais comment il faut dire, la nouvelle qui est peut-être la nouvelle la plus longue, qui s'appelle False Land, le pays des faussaires. Et si je vous parle de dimension Edgar Poe, un peu en postmoderne, vous allez vite comprendre si je vous montre cette page. Alors c'est aux éditions Gaïa, donc c'est l'époque où ils avaient encore ce très beau et très reconnaissable papier rose ou rouge, un peu carmin comme ça. C'est du rouge carmin, ça, je sais pas, je suis peut-être en train de dire des bêtises en essayant de faire le malin. Oui, on va dire rose pour se simplifier la vie.
et la nouvelle, ou le texte bref, dont je vais vous lire le début, donc dans la traduction d'Alain Capon, et dont le titre est « Ausgeben von Sigmund Freud ». C'est le titre français, hein. Ça doit être le titre en serbo-croate aussi, je pense. « Suis-je mort? Je ne sens plus rien. Malgré tout, je parle. Ou alors j'entends une voix. La parole ou l'ouïe sont donc jusqu'à un certain point préservées. Pas mal pour le début d'une grande aventure d'outre-tombe. Jamais plus je ne poserai de questions aussi stupides. Suis-je mort ou vivant? Tout cela est relatif. Voilà un point sur lequel m'appuyer. J'ai dit « relatif ». Donc c'est moi qui parle et non le cardinal Minelli, mon bras droit estropié, le fondateur de la lignée Minelli, ces bouffons et autres chanteurs dont on nous rebattra les oreilles une fois l'Amérique découverte. Et on la découvrira tôt ou tard, bien qu'elle n'existe pas. Colomb est déjà à mi-parcours du voyage qui doit le mener aux Indes situées, elles, dans la direction opposée. Il cherche une terre qu'il ne cherche pas et malgré tout trouvera. Soi-disant pour la plus grande gloire de la couronne d'Espagne, en réalité, afin que la vermine puisse se propager à toute la planète. En Europe, elle est à l'étroit. Je vois déjà de gigantesques maisons closes, des salons de massage, des églises sataniques, des pipe-shows. Ne regarde pas, Minelli. Être mort ne t'autorise pas à réitérer les péchés que tu as commis durant ta vie. Et quoique personnellement adepte de la maxime « les morts ne sauraient être que louangés », à ton endroit, je n'ai pas changé d'avis, tu es un incorrigible dépravé. » Et donc, ainsi se clôt la page 59 de ce bref recueil de textes brefs de Svetislav Basara, Phénomène, copie d'un manuscrit brûlé. Chez Gaïa, c'était donc la 26e. Il va y avoir une coupure car j'ai été interrompu pour des raisons professionnelles. Oui, je suis dans mon bureau à l'université, ça n'est pas toujours facile de faire ces vidéos. Allez, à la prochaine.